La figure de proue du gouvernement d'Emmanuel Macron a des papillons dans le ventre. Invité sur le plateau de Quelle Époque, sur France 2, dans la soirée du samedi 9 septembre, Gérald Darmanin s'est prêté au jeu du photocall consistant à poser une question spontanée à des personnes affichées à l'écran. Parmi elles, Rose-Marie de Villers, la femme partageant la vie du ministre de l'Intérieur depuis 2009. L'homme politique de 40 ans a alors adressé un tendre message à l'élu de son cœur, « Je m'excuse pour tout ce que je te fais subir en faisant de la politique et donc j'espère que tu m'aimes encore. » Des mots doux qui n'ont pas manqué de faire réagir Christophe de Chavannes, l'animateur ayant signé pour une seconde saison dans le talk show orchestré par Léa Salamé, « Ce n'est pas une question, mais c'est gentil. » Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Gérald Darmanin déclare sa flamme à son épouse sur le petit écran. En effet, beaucoup de téléspectateurs se souviennent encore de cette séquence mémorable dans l'émission Face à Baba, diffusée jeudi 20 octobre 2022 sur C8. À la question, « Êtes-vous un clone de Nicolas Sarkozy ?» de Cyril Hanouna, l'ancien ministre de l'Action et des Comptes Publics avait alors surpris le plateau en lançant une pique à l'ancien président, tout en jetant des fleurs à Rose-Marie, « D'abord, ma femme est plus jolie que Carla Bruni. » Avant de préciser avec bienveillance, même si j'aime beaucoup Carla Bruni. Rose-Marie, une femme douce et posée avec celle qu'il a épousée en 2020 lors d'une cérémonie intime à Tourcoing, Hauts-de-France, Gérald Darmanin s'épanouit et semble apaisé. Celui-ci peut d'ailleurs compter sur cette directrice conseil chez Havas lors des différentes tempêtes. Ainsi, dans les colonnes de Gala, en décembre 2020, un proche du papa de Maximilien et d'Alec avait décrit Rose-Marie comme étant une femme douce et posée et qui n'est pas impressionnée par les ors de la République ni par le monde politique qu'elle connaît bien. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, capture d'écran Quelle Époque. France 2.